Bonjour et bienvenue à Hop dans le Wok. Aujourd'hui, on va faire une de mes pâtisseries que j'aime beaucoup, que Quitam m'a fait découvrir il n'y a pas si longtemps de ça, et c'est les beignets vietnamiens au sésame, qu'on appelle aussi les Ban Kieu. En anglais, on appelle ça aussi le hollow donut, qui veut dire que c'est un beignet vide à l'intérieur, parce que la manière que ça va être cuit, vous allez voir tantôt, c'est un petit pain qui va gonfler, et quand on le coupe, c'est vraiment vide à l'intérieur. Et vraiment, c'est un petit pain qu'on peut manger comme ça ou le garnir comme qu'on veut. Et si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, on va mettre en bonus aussi la manière, comment que nous on le garnit pour manger ça en petit snack. Et soyez le plus attentif possible dans la vidéo aujourd'hui. Soyez très précis dans les quantités que vous allez faire en reproduisant la recette parce que c'est une pâtisserie qui est très simple à faire, mais quand même technique. Et si on dévie des quantités et des méthodes, ça se peut que notre pain gonfle pas comme qu'on espère. Avant d'aller à la liste des ingrédients, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous aimez nos vidéos. Pour cette recette-là, on va avoir besoin de 265 g de farine à pain. Je prends de la farine à pain parce que c'est une farine qui va devenir un petit peu plus élastique, mais si vous n'êtes vraiment pas capable d'en trouver, vous pouvez prendre de la farine tout usage. Il faut juste savoir qu'il va peut-être falloir pétrir un petit 2 minutes de plus tantôt, juste pour obtenir le même niveau d'élasticité. C'est pas si facile que ça à trouver de la farine à pain. J'ai fait plein d'épiceries, mais finalement c'est au Costco que je l'ai acheté, comme un gros sac de 10 kg à 7-8 piastres. Fait que si vous en cherchez, allez au Costco. Directement dans notre farine, on va mettre 85 g de sucre. Et pour cette recette-là, on va utiliser de la levure instantanée qu'on va mettre directement dans notre mix de farine. Et pour ça, je vais avoir besoin de 7 g. Ensuite, on va avoir besoin de 4 g de poudre à pâte. Et ça, la poudre à pâte, qui est de la levure chimique pour nos amis européens, j'ai compris avec cette recette-là que ça pouvait passer date de la poudre à pâte. En fait, ça continue de réagir, mais si ça fait plus qu'un an que vous l'avez dans votre garde-manger, vous n'aurez pas autant de réactions, votre pain ne va pas gonfler autant. Fait que, après plusieurs essais de Ban Kieu, j'ai été m'acheter un nouveau pot de poudre à pâte et je vous confirme que ça gonfle plus avec la nouvelle poudre à pâte. 4 g de poudre à pâte. On va mettre également 4 g de sel. Et là, on va juste venir fouetter un petit peu pour que tous les ingrédients soient bien mélangés. Et là, on va juste faire un petit trou, on va faire un puits au milieu de notre farine. Et on va venir verser 145 ml d'eau. C'est de l'eau tiède, froide, directement du robinet. Pour être le plus précis possible, pesez votre eau. Fait que 145 ml, ça va être 145 g. Parce que je vous le dis, des fois, de juste mettre 5 ml de trop, ça peut faire une différence sur la pâte. Et là, on va venir mélanger notre farine en amenant la farine dans l'eau graduellement. Et quand votre pâte est grossièrement combinée comme ça, on va venir rajouter 10 ml d'huile végétale, 10 ml qui est en fait 2 cuillères à thé. On va continuer de mélanger un petit peu. Fait que là, tout ce que j'essaie de faire, c'est aller chercher toute ma farine pour faire une boule. À partir du moment où ce que vos ingrédients sont bien combinés, qu'il n'y a plus de farine lousse dans le fond, vous avez deux options. La première, vous mettez votre pâte dans le KitchenAid pendant 8 minutes au numéro 4. Ça va tout pétrir votre pâte pour vous. L'autre option, c'est vous pouvez pétrir à la main votre pâte. Ça se peut que ça vous prenne un petit peu plus de temps, 2 minutes de plus de pétrissage, parce qu'on n'est pas aussi vite qu'une machine non plus. Mais les deux options se font. Moi, je vais prendre le KitchenAid. Et on va utiliser le crochet à pâte. Donc, on voit que la texture est très collante. Un coup que notre pâte a bien pétri, on va avoir besoin de la sortir, faire une boule avec et la mettre dans un bol. Un bol qu'on va d'ailleurs huiler un petit peu avant. Et aussi, vu que la pâte est vraiment super collante, je vais juste me mettre un tout petit peu d'huile dans les mains parce que sinon, je ne serais pas capable de me décoller ça des mains.
Faites du mieux que vous pouvez pour faire une belle boule, là. Puis essayez de vous souvenir de quelle grosseur qu'elle est en ce moment, parce qu'on va devoir attendre que ça double de grosseur. Et là, tout ce qu'on va faire, c'est on va couvrir avec une pellicule de plastique. Et on doit donner un temps de repos de 1 heure à 2 heures. Ça va vraiment varier selon la chaleur et l'humidité chez vous. Chez nous, il fait quand même assez froid. Tu sais, c'est 19-20 degrés tout le temps dans la maison. Fait que le truc que j'ai trouvé pour aider vraiment à ma pâte à doubler, je vais la mettre dans le four, puis je vais allumer la lumière du four. Je vais mettre le bol vraiment proche de la lumière. Et pour aider un petit peu plus, je vais mettre un bol d'eau que j'ai fait bouillir juste avant pour donner de la chaleur et de la vapeur dans le four. Fait que le four, il est éteint, là. Je fais pas chauffer rien. C'est vraiment juste la vapeur et la lumière qui vont fournir juste assez de chaleur pour aider la pâte à lever. On va laisser reposer ça le temps que ça double de grosseur et on vous revient. Ça fait 1 heure et demie que mon bol est dans le four et ma pâte, elle a doublé. Là, on va venir mettre notre pâte sur notre surface de travail parce qu'on va avoir besoin de venir la couper en morceaux. Mais là, je vous avertis, la pâte est quand même assez collante, fait que encore une fois, je vais mettre juste un petit peu d'huile dans le fond des mains pour que ça soit un petit peu plus facile à travailler. Je vais même mettre un petit peu d'huile sur ma planche. Normalement, je fais ça sur mon comptoir de cuisine, fait que ça glisse un peu plus, mais là, ça colle. Fait qu'on va venir pétrir notre pâte juste assez pour sortir l'air. Je vous dirais un 30 secondes de pétrissage, là, c'est bien en masse. Et là, on va séparer notre pâte en 8 parties égales. Si vous voyez que vous avez des morceaux plus petits, vous pouvez venir voler de la pâte sur les autres boules. Et vous pouvez aussi venir peser chacune des boules pour essayer d'avoir à peu près la même grosseur sur chacun de vos morceaux. Tous mes morceaux de pâte ont entre 60 et 65 grammes. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir former des belles petites boules rondes. Un coup que vos 8 boules sont formées, on va venir couvrir juste d'une pellicule de plastique. Fait que c'est la même pellicule de plastique que j'avais sous mon bol tantôt, juste pour que les petites boules gardent leur humidité. Parce que la prochaine étape, on va venir les couvrir de graines de sésame. Fait qu'une boule à la fois, on va la tremper dans les graines de sésame. Puis si on les laisse à l'air, ils vont comme un petit peu sécher puis les graines vont pas coller dessus. Fait qu'en les laissant comme ça, au moins ils vont rester humides. Fait qu'on prend une petite boule de sésame et on va venir la tremper dans les graines. On va la tremper de tous les côtés. Et là, juste pour s'assurer que les petites graines collent bien à la pâte, on va les renfoncer un petit peu en appuyant avec nos doigts. En même temps, on peut écraser pour commencer à former un petit disque parce qu'on va avoir besoin de faire un petit disque avant de les mettre dans l'huile. À ce point-là, vous pouvez les retremper une autre fois dans les graines. Ça va juste vous faire plus de graines puis ça va aussi faciliter la suite tantôt quand on va venir l'aplatir avec le rouleau. Parce que plus qu'il va y avoir de graines, moins que votre pâte va coller sur la surface de travail. Un coup que vous avez bien pressé vos petites graines de sésame, on va venir déposer notre petit disque sur une plaque et on va faire la même chose pour toutes les autres petites boules. Un coup qu'on a mis les graines de sésame sur toutes nos boules et qu'on les a semi-aplaties, on va les laisser reposer 20 minutes avant de les faire frire. Puis ça, c'est vraiment important, cette étape de reposage-là, parce que sinon, ils vont pas lever comme ils sont censés. Fait qu'on vous revient dans pas long! Là, mes petites boules de pâte, ça fait 20 minutes qu'ils attendent. J'ai déjà commencé à faire chauffer mon huile, qu'on doit amener à 320 à 350 degrés Fahrenheit. Donc, pendant que la température continue de monter, vu que ça fait 20 minutes pour mes boules de pâte, on va venir les aplatir et on doit les amener à une épaisseur d'environ 3 à 5 mm. Ça, c'est l'épaisseur que vous devriez avoir. Plus vous allez le faire mince, plus votre boule va gonfler avec un creux à l'intérieur. Plus vous allez les faire épaisses, plus ça va être un petit pain compact. Fait que c'est vraiment, allez-y comme vous préférez vos petits bantios. Fait que juste pour vous montrer la différence, un coup que c'est aplati, ça ressemble à ça. Fait que pour la température de l'huile, ça va varier selon le chaudron, selon la quantité d'huile que vous allez avoir, selon l'épaisseur de vos petits pains. Je vous dirais que n'importe quoi qui est entre 320 et 350, c'est assez safe.
Moi, à date, c'est pas mal tout le temps, 320-330, c'est la température idéale. Si vous dépassez 350, vos pains vont comme brunir trop vite, ils n'auront pas le temps de gonfler. Fait que ce que je vous dirais, c'est partez à 330, essayez-en un, voyez que, comment que ça agit. Si ça ne cuit pas assez vite, augmentez un petit peu la température. Puis si ça brunit trop vite et ça ne gonfle pas, peut-être réduire un petit peu. Donc là, moi, je suis à 325. Je vais venir mettre directement un morceau de pâte et on en met seulement un à la fois parce qu'il faut vraiment rester concentré sur celui-ci. On le dépose tout simplement. Et moi, je vais venir avec des baguettes. Je vais juste venir le tourner puis le bouger pour pas qu'il colle. Vous allez voir, au bout de 5 à 10 secondes, le pain va commencer à cuire et il va remonter à la surface. À partir du moment que ça remonte à la surface comme ça, on va commencer à le flipper pour lui permettre de cuire des deux côtés. Et on va faire ça à chaque 2-3 secondes. On va le tourner constamment. Vous n'êtes pas obligé d'y aller avec des baguettes, là. Vous pouvez y aller avec une grosse spatule là, si c'est plus facile pour vous. On peut voir qu'il commence à gonfler ici. Okay. Là, il va vraiment puffer comme une grosse ballonne. À partir du moment qu'il est une grosse ballonne comme ça, on n'est plus obligé de le tourner aussi souvent. On peut le laisser comme 10 secondes griller d'un côté. On va le tourner après. Puis on va attendre vraiment qu'il y ait une belle couleur des deux côtés. Ça, c'est vraiment satisfaisant quand le premier qu'on fait, il gonfle autant. Quand il est bien bruni des deux côtés, on va prendre les spatules comme ça et on va venir le retirer. Passoire. Une passoire. Et on va le mettre sur une plaque avec un essuie-tout pour absorber le surplus d'huile. Puis vous allez voir que votre petit pain, il va gonfler beaucoup dans l'huile, mais au moment que vous allez le retirer, il va tranquillement dégonfler. L'intérieur va continuer d'être vide, mais il n'y aura plus autant d'expansion parce qu'il n'y a plus d'air chaud dedans. C'est normal. Entre chaque pain que vous allez faire, surveillez la température de l'huile. Comme là, ça monte à 340, c'est rare que je fais ça sur mon four à induction. Normalement, je fais ça sur mon four normal. Et qu'on va le tester à 340, voir qu'est-ce que ça donne. Fait qu'à 340, ça marche aussi. Hey, je sais pas pour vous autres, là, mais moi, ça m'excite vraiment de faire des choses même dans la friture. Puis quand je vois que ça gonfle, c'est le fun. C'est vraiment le fun. Si jamais vos pains gonflent pas beaucoup, regardez si, après avoir aplati vos petits morceaux de pâte, s'ils sont pas comme trop rétractés puis sont pas revenus épais. Dans ce temps-là, vous pouvez venir les aplatir une deuxième fois pour vous assurer qu'ils soient quand même assez minces. Parce que plus ils sont minces, plus ils vont gonfler. Mais il faut faire attention aussi pour ne pas les faire minces comme une feuille parce que en gonflant, ça se peut qu'ils percent aussi. Fait que là, ils vont comme tout perdre leur air. Fait que sur mes 8 petits pains, il y en a juste un qui n'a pas levé. Il avait commencé à lever, mais sans faire exprès, en le tournant, je l'ai comme percé avec ma baguette. Fait que vu que l'air sortait, il n'a pas gonflé. Mais sinon, ils ont tous gonflé comme des petits poissons pof. Et là, juste pour vous montrer l'intérieur, pour vous montrer comment c'est vide, je vais en couper un. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Les bantu, vous pouvez les manger juste comme ça. Je vais y goûter juste comme ça aussi. Vraiment bon comme pain. Il y a un petit goût sucré, puis vous allez voir, plus vous allez le manger, plus le petit goût sucré sort. Ça, c'est vraiment optionnel. C'est un snack que moi et Kuitam ont fait. En fait, c'est Kuitam qui m'a initié. Il l'a pas si longtemps. Puis la première fois qu'il a voulu me faire goûter à ça, j'étais vraiment sceptique. En fait, comme toutes les choses qu'il veut me faire essayer, je suis juste comme, ça a l'air bizarre, tu sais, je sais pas à quel point ça peut être bon. Et à chaque fois que je me trompe, c'est vraiment, vraiment bon, là. Fait qu'on va avoir besoin de faire une petite sauce d'échalote. Vous allez voir, c'est vraiment pas long à faire. On a juste besoin d'avoir 3/4 de tasse d'échalote qu'on coupe en petites rondelles. Ensuite, on va ajouter à ça 2 cuillères à table de sucre et 1 demi-cuillère à thé de sel. Et pour finir, on va mettre 4 cuillères à table d'huile. On va bien le mélanger et on va mettre ça 35 secondes au micro-ondes. Après 35 secondes, on va le sortir du micro-ondes, on va le brasser pour être sûr que le sucre, le sel sont bien répartis
et on va le remettre un autre 35 secondes par la suite. Fait que quand ça sort du micro-ondes, vous allez voir que ça bouillonne, faites juste le remélanger et votre sauce d'échalote est prête. Et la deuxième chose qu'on va avoir besoin de mettre dans notre petit pain, c'est du porc séché. Ça s'achète dans les épiceries asiatiques. J'en ai vu aussi au Maxi, j'en ai vu au Walmart. Fait que c'est quelque chose qui est facile à trouver, mais il faut qu'on sache c'est quoi, sinon on dirait qu'on remarque juste pas c'est quoi le pot. C'est vraiment juste du petit porc déshydraté que vous pouvez manger juste comme ça, sec comme ça, ou le mettre dans des sandwichs. Fait que pour la petite sauce d'échalote, on voit qu'il y a beaucoup d'huile. Là. Je vais essayer de prendre plus d'échalote que d'huile. On va venir l'étendre un peu. Après ça, on va prendre du petit porc séché et on va le garnir. Si vous avez déjà été dans la section boulangerie d'une épicerie asiatique, vous allez souvent voir des petits pains roulés avec des échalotes puis du porc, mais c'est pas mal ça qu'on est en train de faire. Vraiment bon, là. C'est dangereux. Une fois qu'on commence, là, le truc, c'est d'essayer d'arrêter, là. C'est bon à ce point-là, vous avez pas idée. Excellent. Et dernière chose pour finir la vidéo, c'est ça serait normal que vous mangez pas les 8 pains comme ça, toutes d'une shot. Si vous restez restant, mettez-les dans un contenant hermétique que vous pouvez laisser sur le comptoir pour quelques jours. Fait que c'est déjà tout pour la vidéo. Si vous faites la recette, laissez-le moi savoir, parce que je veux savoir comment que ça a été. Si ça va avoir fait comme moi, vous allez avoir essayé 4-5 fois avant de réussir votre première batch. Mais je vous souhaite que ça fonctionne la première fois avec toutes les instructions que je vous ai données. Si vous avez besoin de la recette écrite, le lien va être disponible dans la description de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour avoir plus de vidéos. Et sur ce, on se dit à la prochaine! Bye bye!